Salut à tous, c'est Pokéchou. On se retrouve aujourd'hui pour notre troisième épisode sur le Fanslock de Pokémon Ruby Omega. Et j'ai une petite mauvaise nouvelle pour cet épisode. En effet, je me suis rendu compte que, et on l'avait complètement oublié, les Pokémon échangés ne nous obéissent pas à partir du niveau 10, enfin à partir du niveau 11, en fait, dépasser le niveau 10 quand on n'avait pas un seul badge dans cette version. Or, je vais vous montrer l'état de farm de mon équipe. Voilà, what the fuck, et Cornichon, ce niveau 11. Je vais devoir battre une arène de type roche, avec des Pokémon en dessous du niveau 10, alors que mon adversaire sera Tarinor, qui est un Pokémon de niveau 14, avec des Pokémon qui ne m'écoutent pas, ou alors qui ne sont pas efficaces contre la roche. Donc c'est parti, on va s'amuser. On va essayer de voir si ça passe, et puis écoutez, techniquement, le niveau devrait se débloquer avec, avec le fur et à mesure des... Enfin, au fur et à mesure qu'on obtient les badges. Alors, c'est parti. Bonjour. J'imagine que tu viens tenter ta chance. Je m'appelle Roxanne, je suis la championne de Méroville. Pour me hisser à ce niveau, j'ai mis en pratique tout ce que j'ai appris à l'école des dresseurs Pokémon. Si tu parviens à me battre, je te remettrai un badge qui prouvera ta valeur en tant que dresseur. Désolé. Relèveras-tu mon défi? J'espère que ta réponse sera positive, je suis impatient de t'affronter. Mes respects. Ah ouais. Oh, en mode prétentieuse la nana. Alors, je sais que dans cette arène, il y avait moyen de contourner les combats. Voilà, parfait. Parce qu'on va aller directement à la championne. Je ne veux pas d'XP supplémentaire, sinon ça va me bloquer totalement. On va aller jusqu'à la championne. Et puis c'est parti. Alors, j'ai mis Mahou en première position pour les crogivres. Tout simplement parce que, si je me souviens bien, dans Saphir et Ruby, elle avait un racaillou qui prend x4 à la glace, je crois. Et elle a un Tarinor, donc je switcherai après, mais je crois que j'ai d'abord son racaillou à affronter et les crogis vont m'aider. J'étais sûr que ton équipe et toi parviendriez jusqu'à moi. En même temps, j'ai juste eu à zigzaguer. Accepterais-tu de me montrer comment tu te bats avec quel Pokémon? Allez, c'est parti. Premier champion d'arène. On y croit. Ouh, le racaillou. J'avais juste. J'avais juste sur le racaillou. Déjà, ça c'est un bon point pour moi. J'espère juste qu'il a pas une attaque moisie du style ampleur ou un truc dans le genre qui me réduirait totalement en bouillie. Alors, Crogivre. On va voir combien ça fait. Ah, ça fait facilement la moitié de... Et le gel! Le gel, mesdames et messieurs! Le gel, mesdames et messieurs! Première attaque, je fais un gel! Ça, c'est bon! Excusez-moi, j'ai la voix un petit peu cassée. Parce que, comme pour les... Bah, je tourne cet épisode le même jour que les épisodes précédents, simplement, et je suis encore un petit peu malade. Et voilà. Et d'ailleurs, vous entendez peut-être la petite Clémy qui, derrière, tout ceci... tout va bien chez nous. Voilà, c'est... Tout va bien, on n'est pas du tout malade. Alors, la potion... ça tombe bien. Mieux vaut qu'elle utilise ses potions sur son racaillou que sur son Tarinor, hein. puisque son Tarinor va être très chiant. Alors. Ok, niveau 11. Donc maintenant c'est officiel, Mahou ne m'écoute plus. Non. Ça va être n'importe quoi. Ok, donc Mahou est monté niveau 11, et Mahou ne m'écoute plus. Donc Tarinor, alors là-dessus j'ai un plan. Je vais envoyer mon Evoli pour lui faire mini-queue et baisser sa défense à fond. Ensuite, j'enverrai mon Rhinocorne, mon Cornichon, jusqu'à ce que j'obtienne un séisme qui touche et qui le tue. Mais là pour l'instant mon plan c'est uniquement de baisser sa défense à mort. Donc là il faut juste que je tienne les coups. J'espère juste, voilà, que Flocon sera capable de tenir... Ouais, c'est bon. Je tiens facile, je pense, 3 tombes roches. Ah non! Non! Le mec en face de moi, mesdames et messieurs, il a armure. Ok, ça va être un vrai calvaire. Allez, on ramène Cornichon. C'est pas le choix.
Oh là 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 là, ça va durer des heures et des heures. Ok, ok, ok. Séisme. Allez, le séisme qui touche. Oui. Oh, mais du premier coup. Du premier coup. Et un KO en un coup. Et un KO en un coup. Bon, eh ben, je retire ce que j'ai dit. Ben voilà, cette arène a été pliée. Cette arène a été totalement pliée. Mais c'est parfait. Bon, j'ai perdu. Apparemment, j'ai encore bien des choses à apprendre. Et je remporte 1680 boules. Yes! Et surtout, je suis forcé de m'incliner. Je te prie d'accepter ce badge Rush officiel de la Ligue Pokémon. Selon les règles, tout dresseur qui parvient à me vaincre y a droit. Yes! Et avec ça, mesdames et messieurs, on va se faire obéir par les Pokémon qui sont de niveau inférieur au niveau 21. Le badge Rush permet aux Pokémon d'utiliser la CS Coupe en dehors des combats. Avec lui, les Pokémon de niveau 20 ou inférieur que l'on te confie t'obéiront au doigt et à l'œil. Enfin, j'ai pensé que ceci pourrait aussi t'être utile. Et on reçoit la CT Tombe Roche, qui fait bien bien plaisir. Ouh ! Tombe Roche provoque un éboulement qui inflige des dégâts à l'adversaire et affecte sa vitesse. Les CT permettent d'enseigner instantanément une capacité à un Pokémon. Elles peuvent être utilisées autant qu'on veut, alors n'hésite pas à t'en servir. Mesdames et messieurs, nous avons roulé sur cette arène, mais d'une force. Je pensais pas que ce serait possible. Franchement, j'ai eu extrêmement peur quand j'ai vu que Cornichon ne m'obéissait plus dans le grinding montage. Dégagez de mon chemin! Ah oui, alors ça, c'est les Team Magma. Ah, il faut que je fasse une voix méchante. Et lui, il est paumé. Oh voleur! Oh voleur! Rendez-moi ce pack! Mais c'est toujours le même? Ah oui, c'est toujours le même qui s'est victimisé. Non mais si, en plus c'est vrai, dans Ruby Saphir Emerald c'était déjà ça, je crois, c'était toujours le même qui se faisait victimiser, mais totalement. Ok, donc, bon mais mesdames et messieurs, très bon début de partie, hein. Alors ce qu'on va faire, c'est que la prochaine arène est type combat. Je sais pas si j'ai des Pokémon efficaces, hein. J'ai juste Evoli qui craint à mort contre le type combat. Et après le reste, j'ai rien d'efficace. J'ai éventuellement Toshukasso qui peut tenir des coups, mais alors là... Je vais monter Wattels, qui peut taper dans le spécial, et qui aura donc pas trop de soucis, je pense. Je vais mettre Wattels en premier. Et puis on va se faire aussi la première rencontre de cette route. Alors, on m'a dit dans les commentaires de la première vidéo, parce que oui, j'ai pas eu le temps de regarder les commentaires de la première vidéo avant de tourner la deuxième, j'ai fait ça tout dans une journée, hein. On m'a dit dans les commentaires que j'avais oublié la route 103. Et en fait, pas du tout, c'est totalement fait exprès, hein. Non, en fait, c'est pas fait exprès. Mais je pourrais revenir sur cette route 103 plus tard, en fait, en remontant vers l'Avandia, donc avant la troisième arène. Et à ce moment-là, j'aurai une canne à pêche, donc je pourrais faire ma rencontre de la route 103 avec la canne à pêche. Donc il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Je n'aurai pas besoin de revenir à la route 103 pour faire des captures. Donc ici, hein, sur cette route, aucune capture tant qu'on n'a pas surf ou la canne à pêche. On va passer sur la route suivante. Oh, mais tu es ce super dresseur qui m'a aidé au bois Clémenti. J'ai encore besoin de ton aide, la Team Magma m'a volé le pack Devon. Tu dois le récupérer, sinon je vais avoir de gros problèmes. Ok, c'est parti. Alors, ah, on a un Skitty juste ici. Skitty, Skitty, quel niveau es-tu? De quel niveau es-tu? Niveau 8. Allez, c'est bien, on te l'accorde. Paf. Ok, donc on part sur une nouvelle capture. Et le but va être d'attraper le petit Skitty. Et on va voir ce qu'on peut en faire. Très bien, très bien. Alors, hop, on va lancer les Pokéballs. Et ça va passer. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe du premier coup? Allez. 1, 2, 3. Ah! Je vais... Ouh, j'ai cru que la berceuse allait passer. Je vais placer une petite charge, histoire de lui infliger juste le petit bout de dégâts qui manque. Oh non! 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 Oh!
C'est un échec. C'est un échec. Très très bien. Très 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 bien. Eh bien, on a totalement échoué. Parfait. Alors. Eh ben, on va laisser Wattels en premier. Et puis voilà. Oh, donc pas de jetons sur cette route-là. J'ai raté la capture. Pas de chance. Ah, j'ai cru que la charge, je l'aurais pas. J'ai cru que la charge, je l'aurais pas parce que c'était pas stabé. Il me semblait qu'en choix, t'avais pas de super bonnes stats en attaque. Et puis voilà. Et puis voilà. Bon, bah voilà, on a plus qu'à continuer. Hein. Oh là là, mais c'est en chouette. Un rampage, je vous jure, il a envie de verser du sang. Il a envie de verser du sang. Son but, c'est de tout détruire. Mais tout. Alors là, j'ai fait une bêtise. En plus, je suis bête, j'aurais dû partir juste sur une cage éclair. Il avait la cage éclair. Pourquoi j'y ai pas pensé? Voilà. Bon, bah c'est pas grave, C'est pas grave, l'erreur instruit, comme on dit, l'erreur instruit, je recommencerai pas. Alors, ce Ingal va être une vraie plaie, parce qu'il a armure, et en plus, il me fait des coups critiques. Bien, merci Ingal. Allez, une dernière charge pour le finir, voilà. Oh leur Mulisse. On va changer de Pokémon tout de suite. Cornichon, à toi. Et puis il va nous faire une petite lame de roc comme ça, histoire de nous one-shotter cette petite crotte qui va arriver en face de nous. Armulis, tac. Et voilà. No problem. Pas de soucis du tout. Et puis une petite montée niveau 12. Je crois que le prochain champion d'arène est niveau... Alors je sais qu'il est type combat et je crois que son maximum c'est un niveau 16 ou 18, je sais plus. Donc je vais essayer de monter jusqu'au niveau 16 pour la prochaine arène et puis je ferai pas plus je pense. Je vais essayer de faire un petit grinding encore une fois comme sur cet épisode. Et puis je vais essayer de monter jusqu'au niveau 16 sur la prochaine arène. Histoire 2. J'espère qu'on aura encore de quoi, comment dire, garder les montées de niveau, hein, parce que ça va être très dur si on doit faire jusqu'à l'avant-ville sans passer niveau 30, je pense. Alors, eh ben Maryl, on va lui faire une étincelle. Et puis voilà, adieu Maryl. Pas adieu Maryl. Putain, il tient bien ce con. Allez, à nouveau une étincelle. Voilà, très bien. Alors, tac, 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 tac. Un montagnard. On va lui envoyer... notre petit cornichon. Non, c'est pas bon d'envoyer cornichon. Il faut que j'envoie Mahou. Parce que cornichon pourra pas se battre sur la prochaine arène. Donc il faut pas qu'il commence à monter du niveau comme ça, lui. Ça va pas du tout. Alors, le racaillou. Je pense que je vais pouvoir le. Ah, je vais peut-être pas le one-shot, hein. Il a 4 niveaux de moins que la dernière fois. Et moi j'ai un niveau de plus. Bon, qui sait, on peut peut-être le one-shot. Ah non. Ouh, la polyroche. Ouh, la polyroche. Ouh, j'aime pas ça. C'est bon, il m'a pas doublé. Tout va bien. Oh, bah niveau 12. Voilà. Voilà ce qu'il nous faut. C'est des montées de niveau comme ça qu'il nous faut. C'est très très bien. Et puis on va continuer. Ce serait bien que Mahou après une attaque type électrique pour la prochaine arène, histoire qu'il ait un truc stabé. Encore un gel. Mais mesdames et messieurs,
On n'en peut plus ? Ah, dégelé. Quand même. Quand même. Bon, il nous fait lance-boue, c'est dommage pour lui, on n'a pas d'attaque électrique. Voilà, il n'y a pas de soucis, bonhomme. Alors, toi, est-ce que tu veux te battre ? Ah ! Échec. Bon, il veut pas se battre en tout cas, ça c'est bien. Ok. Alors là, c'est... ah, c'est le vieux. Oh, qu'est-ce que je vais devenir ? On se baladait, Pico et moi, quand une grosse brute nous a sauté dessus. Je vois rien filer avec mon cher Pico. Oh, Pico. Donc lui, il va nous aider à traverser la mer jusqu'à Myokara une fois qu'on aura récupéré son petit Pico. Alors, on va tomber sur des chuchemures, ici. Donc... on va envoyer What What. On va envoyer What The Fuck qui a la cage éclair. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Une Pokéball, très bien. Ça compose celle qu'on a perdue tout à l'heure sur les Skitchy qu'on a raté. Alors. Rencontre avec un Chuchemur. Très bien. Très bien. Niveau 9. C'est déjà ça. Alors. Allez, on part sur un éclair et on prie pour que ça le tue pas. C'est stabé, mais ça devrait pas. Voilà. Alors par contre, là, le problème, c'est qu'il est encore dans le vert. Oh bah parfait, statique. Le problème, c'est qu'il est encore dans le vert, mais j'ai pas envie de lui faire une attaque, parce que j'ai peur de le taper trop fort. On va aller sur Tochukasso, et il va lui faire une petite griffounette de rien du tout. Juste une toute petite griffe. Toute petite. De rien du tout. Très bien, il fait écho. Pas de soucis. J'espère juste qu'il va avoir la paralysie sur les tours suivants parce que ce serait dommage qu'il me fasse des échos en masse. Hein. Allez, encore un écho, tout va bien. Ça va devenir de plus en plus bourrin ce truc. Ouf. Putain, il s'est calmé. Mais pourquoi il a pas... pourquoi est-ce qu'il n'est pas touché une seule fois par la paralysie, cet enfoiré? Ça m'hallucine. Alors. Deux. Trois. Ah. Ah, très bien. Très bien, ça nous fait une capture sur cet épisode. Très bien, alors Chuchemur, on va t'appeler Jeton. Très bien. Ah! Hé, hey, toi, c'est moi que tu cherches? Bah ouais, je crois. Ça veut dire qu'il faut que je te batte? Qu'est-ce qu'on va t'envoyer? Eh ben, on va t'envoyer What? Tels? What the fuck? Allez, on t'envoie What the fuck. Electric Power, de toute façon, là, on a que ça. Ah, c'est pas mon jour! J'ai volé un Pokémon débile qui sert à rien, et juste quand je pensais avoir sauvé ma peau, je me retrouve coincé dans ce cul-de-sac. Ah, super, de mieux en mieux. Allez, ne dis rien, tu veux te battre, c'est ça, hein? Pff. Allez, hop. Un petit sbire de la Team Magma avec sa pose ridicule qui va bien. Un Medena. Mais c'est toujours le même ou... est-ce qu'il est toujours niveau 9, son Medena? Ah, niveau 13! Ah, le salaud! Ah, le salaud! Ok, je pars sur l'éclair fou pour tenter le one-shot. Mais alors là... flair! Très bien, il m'a flairé, ça sert à rien. Allez! Ok, vu qu'il m'a pas frappé... je pars sur un autre éclair fou. Oui, le chaos, mesdames et messieurs. Parfait. Parfait. C'est stressant quand même d'avoir
des gens qui sont sur un niveau supérieur à toi et de savoir que tu peux pas remonter parce que sinon tes Pokémon t'obéissent plus. C'est aussi un petit côté gênant de ce challenge là, hein. C'est... Malheur, je crois que je vais devoir me ranger. Hop. Donc, je comprends pas. D'après le chef, ça devait être une mission facile. On intercepte le paquet de Devon et on se fait la malle. Oh, et puis zut, à la fin, tiens, tu le veux ce truc? Eh bien, prends-le. Ah, ça c'est le vieux qui revient. Mon Pico adoré. Non, pardon, c'était pas sa voix. J'avais donné quelle voix au vieux? Mon Pico adoré, sain et sauf. Pico te doit la vie. On m'appelle Monsieur Marco, et toi? Je te suis très reconnaissant, mon petit Pocket Show. N'hésite pas à revenir me voir si tu es dans le pétrin. Je serai ravi de te donner un coup de main. Je vis dans une petite maison sur la côte, près des bois Clémenti. Allez, Pico, on rentre à la maison. Ah là, voilà, voilà. Bon, on va se barrer de cet endroit. On va profiter de notre retour à Mérouville pour faire un petit passage au centre Pokémon et puis récupérer un jeton. On va voir s'il y a quelque chose dans cette cabane. Alors, toi, tu n'as rien pour moi. Zo, toi, tu n'as rien pour moi. Zo, et toi, oh, toi, tu n'as rien pour moi. Ah, un truc que j'ai oublié de faire, attendez. Je le fais devant vous, là, en live, hein. Ah, pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça que j'ai oublié de faire. Ce que j'ai oublié de faire, c'est ça. Voilà, vitesse du texte rapide. Très bien. Voilà, ça va aller un peu plus vite maintenant quand les dialogues servent à rien. Désolé, hein, c'est... Petit réglage que j'avais oublié de faire. Alors, on va passer par là, histoire d'éviter des hautes herbes. Et puis, on va éviter les combats contre les Pokémon sauvages. Nailed it. Waouh. Ah. Échec. Le petit Nirondelle. Bah, on va en profiter pour se faire des XP un petit peu, hein, parce qu'on a un petit peu de trucs à rattraper. Voilà, c'est parti. Alors, il est où le mec qui... Il veut pas... Ah, il est là? Voilà. Alors, comment ça s'est passé? Et le pack d'Evon? Tu as réussi! Tu l'as récupéré! Merci, merci mille fois! Tu es vraiment un très grand dresseur, je sais! Pour te remercier, je te donne une Super Ball! Waouh! Une Super Ball! Putain, les récompenses que le mec te donne quand même! Viens, suis-moi! Et alors là, on rentre quand même, mesdames et messieurs, dans le manoir d'Evon, hein, l'endroit hyper huppé de Mérouville. Alors ça déconne plus. Nous sommes au deuxième étage du siège de Devon, où se trouve le bureau du directeur. Je te suis si reconnaissant de m'avoir aidé, je me dois de te remercier à ma manière. Attends un instant ici, s'il te plaît. Notre directeur désirerait s'entretenir avec toi, si tu veux bien me suivre. Eh ben c'est parti, allons-y. Alors, le directeur... Après toi, je t'en prie. Ouh, il a une tête de mec respectable. Je suis Monsieur Rochard, le directeur de Devon. On m'a raconté tes exploits. Tu as sauvé notre employé non pas une, mais deux fois. Comme tu m'as l'air d'être quelqu'un de remarquable, j'aimerais te demander un service. Cela dit, je suis avant tout un homme d'affaires et je ne suis pas du genre à demander un service sans offrir une contrepartie. Prête-moi donc ton Pokémultinavi une seconde. Putain, le nom de ce truc, c'est... Hop, une amélioration. Navishow. J'ai intégré la fonction Navishow à ton Pokémultinavi. Tous les dresseurs qui voyagent se l'arrachent. Elle te permettra de suivre l'actualité mondiale et d'avoir des nouvelles de tes amis à n'importe quel moment. Mais venons-en à la mission importante que j'aimerais te confier. J'aimerais que tu remettes cette lettre à un certain Pierre. Tu devras le trouver à Miokara. Ok. Pour te rendre à Miokara, tu devras traverser l'océan. Je me charge de prévenir Monsieur Marco, un marin qui habite un cottage sur la route 104. Si tu lui demandes de l'aide, il te donnera un coup de main. Allez, je compte sur toi. Si tu ne te souviens plus de ce que je t'ai demandé, il n'y a pas d'honte à revenir me poser la question. Ok, pas de soucis. Bah très bien. Très bien. Bah très très bien. On y va.
Ah, échec. Ah, double échec. J'aime pas les chaises. Alors. C'est par là, ouais, c'est par là. Ouais, l'architecture des bâtiments a quand même un peu changé, hein. Oh, Flora. Elle veut pas se battre quand même. Oh, salut Pokéchou. Comment ça avance ton Pokédex? Le mien est plutôt pas mal. J'ai utilisé toutes mes Pokéballs au Bois Clémenti pour attraper plein de Pokémon. Je suis à sec maintenant. Ah, au fait, j'ai croisé Monsieur Marco au Bois Clémenti. Je pense qu'il est rentré chez lui dans sa petite maison près de la mer sur la route 104. Tu ne le connais pas sans doute, mais ils ont dit que c'est un marin hors pair dans sa jeunesse. D'accord, merci Flora. En fait, ce jeu te balance des reminders tout le temps, en mode « Coucou, je suis Marco, viens me voir sur la route 104. Ah, au fait, j'ai prévenu Marco, il est sur la route 104. Et au fait, tu connais Marco? Il est sur la route 104. » Ah. Calmez-vous les enfants. Alors, on va se soigner et on va faire notre petit jet de dés avant de prendre la mer. Ça fera office de jet de dés de cet épisode. Ou attendez, on va faire mieux. On va prendre la mer maintenant. On va aller à Myokara, capturer les Pokémon à Myokara avec la canne à pêche et en allant dans la grotte. Et ensuite, on fera notre jet de dés. Allez, on fait ça. On fait ça, on est chaud. On court. On est chaud. On est très très chaud. Comme la braise. Alors. Au passage, les musiques sont vraiment vraiment géniales. Ils retranscrivent parfaitement. Ils ont réussi à vraiment refaire l'ambiance de l'opus original quand même. C'est vraiment hallucinant. Alors, on va retrouver Pico et Marco. Alors, Pico, tu peux passer? Non! Marco! Ah! Interception! Ah! Bon sang! Ah! Bon sang! Attends un peu, mon petit Pico! Ma parole! T'es bien Pokéchou, celui qui a sauvé mon petit Pico! On te doit une fière chandelle! Comment? Tu veux embarquer? Tu dois remettre une lettre à quelqu'un qui se trouve à Myokara. Ça me pose aucun problème, je suis l'homme de la situation. Alors, cap sur Myokara? Allez! Allons-y. Parfait. Allez, Pico. En route. En avant toute vers Myokara. Oh, Pico qui vole à côté du bateau. Ça, c'est cool. La petite touche de fraîcheur qui a été rajoutée. Ah, et puis ça nous évite de nous faire aussi toute la mer... Parce que dans les anciens épisodes, c'était assez chiant de devoir se faire toute la mer en zigzagant comme ça avec le bateau qui avance à 2 l'heure. Ohé, on est arrivé à Myokara. T'as une lettre à remettre à quelqu'un si je me trompe pas. Si tu sais pas trop où te rendre, je te conseille d'aller à l'arène Pokémon. Le champion il connaît la ville comme sa poche et pourra répondre à tes questions. Très bien, mais moi je sais où il faut aller. Parce que je sais où on trouve Pierre Rochard. Alors par contre, centre culturel, c'est pas là. Ça doit être là. Je sais qu'il y a un pêcheur qui nous donne la canne à pêche. Alors ça, c'est un top dresseur et un gamin, donc c'est pas ça. On va chercher le pêcheur. L'arène est là. Est-ce que ce serait pas là-dedans, par hasard? Il n'y a pas un pêcheur quelque part. Il n'y a pas de pêcheur. Eux, c'est ceux qui ont... s'interrogent sur les dernières tendances, donc c'est pas ça. Ah, j'ai peur, parce que ces pêcheurs-là, ils veulent se battre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester juste sur la capture, dans cette grotte, et puis ça ira très très bien. Allez, on fait ça. Allez, une rencontre, s'il vous plaît. Faites que ce soit pas un bras. Faites que ce soit pas un bras. Si c'est un bras et qu'il fait téléport, faites que ce soit pas un bras. Pas un bras, pitié. Oh, safe, un Nosferapti. Oh, par contre, avec... What the fuck est à son niveau. Donc, on va faire un éclair, et ça devrait pas le tuer. Avec un peu de chance, on va avoir le statique. Allez! Le statique qui tombe, pas besoin de faire cage éclair au prochain tour. Ah, par contre, j'avais la trouille. D'accord, très bien. Éclair, pitié, tu ne tues pas. Oh, oui! Parfait. Et puis, bah, on a plus qu'à lui lancer une petite Pokéball, ça devrait suffire. J'ai pas envie de gaspiller ma Super Ball, j'ai envie de la garder pour plus tard. J'espère que la Pokéball va passer.
Yes! Et ça nous fait ça, mesdames et messieurs, un jeton niveau 12. C'est parfait. Et what the fuck monte au niveau 13. On ne se refuse rien. Alors... Oui, on va donner un surnom au Serapti, on va l'appeler Jeton. Voilà. Et on va fuir de cette grotte. Et on va aller récupérer nos deux petits jetons dans la boîte, ou du moins voir leur niveau. On va éviter le combat contre le montagnard, on le fera dans la session de grinding, celui-là. On ira voir le pêcheur aussi dans la session de grinding. Pour monter de niveau, hein, pas de soucis. On va juste éviter de prolonger trop cet épisode parce que je vois qu'on arrive dans les 30 minutes. Donc on va se soigner. Et puis on va faire les petits jetons. Et puis ça clôturera notre épisode. Alors. Donc on a un jeton qui doit être mis... Alors le chuchemur me donne un jeton... niveau 9 et le Nosferapti me donne un jeton niveau 12. Alors, le jeton niveau 9, on est allé jusqu'à la boîte 6 et la boîte 7 n'est pas complète, donc je peux pas faire les jets de dés dedans, donc je vais retourner à la boîte 1 et on va faire un jet de dés pour le jeton niveau 9 et on obtient un 2 et un 3, donc un 2 pour les lignes et un 3 pour les colonnes. Et c'est Erza, le Goéliz, qui rejoint notre équipe au niveau 9. Hop, on va le mettre là pour l'instant. On va carrément lui faire prendre la place de quelqu'un, voilà. On a dit que Flocon on le gardait de côté. On va garder Flocon de côté. Et on va voir le lancer de dés sur la boîte numéro 2 pour le jeton de niveau 12. Et sur la boîte 2, on a un 2 et un 1. Donc deuxième ligne, première colonne. Et c'est un culbutoqué, alcoolique le culbutoqué. Qui n'a pas d'attaque malheureusement. On va le prendre quand même hein, pour le monter. Et puis, oula. Pardon, excuse-moi petit paras, je t'ai renvoyé dans la boîte. Ça va pas du tout. Voilà. Tu vas aller ici, il faudra que je fasse une boîte de stock aussi. J'ai pas encore fait ça. Je m'occuperai de faire une boîte de stock. Alors. On va utiliser des super bonbons. Le culbutoqué doit aller niveau 12. Donc c'est parti. S'il apprend une attaque psy, je considérerais de le garder. Mais après, là, je pense que c'est un peu mal parti pour le petit culbutoqué. Il a pas l'air d'apprendre d'attaque intéressante. Niveau 10. Allez, culbutoqué. Niveau 12. Et... toujours pas d'attaque. Bon. Eh bien, on va monter Erza. Jusqu'au niveau 9. Et puis lui, elle, je sais qu'elle va apprendre... des attaques de type vol, si je me trompe pas, du style cruel ou de ce genre. Donc je vais très certainement la garder pour l'arène. Parce qu'elle va être très très pratique. Voilà. J'en parlais, cruel. Hop, c'est fait. Donc, on a notre championne pour l'arène de type combat. Donc, on va déposer le petit culbutoqué. Hop là, on va rester ici. On va déposer le petit culbutoqué. On va l'échanger contre Totsukasu, puisque Totsukasu est insecte, qu'il peut résister à des attaques de type combat. On va mettre Erza en première dans notre équipe. Et puis, bah écoutez, mesdames et messieurs, notre équipe, donc nous avons Erza la Goéliz, Maou le Lixi, nous avons Cornichon le Rhinocorne, What the Fuck le What What, What Else le Anchoat et Totsukasu le Paras. Écoutez, c'est déjà la fin de ce troisième épisode. J'espère que ça vous a plu. On a réussi à passer cette première arène qui était un petit peu quand même tendue, hein.
ça m'avait fait un petit peu peur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à placer un petit like dessus, ça m'encourage à continuer, ça me fait toujours plaisir. Et puis surtout, ce qui compte, c'est de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour que la chaîne se fasse connaître, pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui suivent ce Fanslock et qu'à la fin, pour le live de la Ligue, il y ait beaucoup de monde. Sur ce, les gens, c'était Pocket Chou, à ciao.